Et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Taxi Driver sur PlayStation 2. Un jeu, ma foi, dans la lignée des Crazy Taxi et autres simulateurs de taxi qui se veut plus ou moins réaliste, hein, on va dire pas réaliste, dans notre cas ici. Alors, je suis Ogawara Gingoru, le boss de l'office des taxis de Ninjiro City. À partir d'aujourd'hui, vous allez travailler en tant que chauffeur de taxi dans cette ville. Vous allez peut-être trouver que c'est difficile depuis que c'est la première fois que vous êtes. À partir du moment où c'est la première fois que vous conduisez un taxi. Mais vous devez quand même faire votre meilleur. Votre but, c'est de récupérer une certaine somme d'argent par jour. Et on a donc du matin jusqu'au soir. Donc le shift, c'est de 8h du matin jusqu'à 1h l'après-midi. Et de 8h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Et si on vous ramenez pas assez d'argent, ben en gros vous dégagez, vous êtes licencié. Je pense que vous avez compris le message. Alors ça va pas être très facile de faire 1 million de yens. Alors regardez le temps, regardez pour les places avec là où vous pensez qu'il y aura le plus de gens à prendre ensemble. Et évidemment traitez vos clients le mieux possible. Si vous faites plus d'argent qu'expecté, vous allez gagner des bonus et vous pouvez rendre votre voiture plus performante. Alors, évidemment, gagnez le plus d'argent possible. Alors attendez avant de continuer, je dois vous donner mon approbation. Vous n'avez toujours pas accepté pour y aller. Mais quand vous aurez donné la permission, vous pourrez commencer. Vous avez compris? Allez, on y va. Pour l'instant, on va juste faire un petit peu d'argent. Mais vous devez quand même aller jusqu'à la fin de la journée. Alors on a les options, Work Diary. Donc Work Diary, on va regarder un petit peu. C'est juste pour sauvegarder et enregistrer la partie. C'est un jeu très très simple, ça, vous allez voir. Le menu options, on peut changer les paramètres comme le son d'effet, etc. Je vais peut-être baisser un tout petit peu le son de la musique à 80, voilà. Donc le son est un petit peu fort. Là on va laisser en stéréo. On va mettre les vibrations. Mettre les vibrations et on est parti. Donc bienvenue à Ninjiro City, vous allez comprendre, c'est un peu comme une Crazy Taxi. Donc c'est parti, on dirige un petit, regardez comme il est mignon, un petit taxi dans la ville, et on va devoir trouver des gens à aller ramener quelque part. On va freiner. Alors ce qu'on peut faire, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire, et normalement voilà, avec le bouton L1, on peut activer ou non le rond autour de notre voiture. Et je peux vous dire que ce rond, au départ, il va être très utile. Parce que ça va vous permettre de voir si vous êtes bien au bon endroit pour vous arrêter. Alors, les musiques sont super sympas, vous allez voir, c'est très mignon. On va s'arrêter ici. Je me demande d'attendre. Elle a fini son truc et on va aller au public hall s'il vous plaît. C'est parti, alors on va faire le tour. Alors normalement. Ah j'ai appuyé sur le mauvais touche. Je crois que je l'ai mise. J'ai appuyé sur R2, j'aurais pas dû faire ça. Non, en fait ce que je voulais montrer c'est la carte, voilà, que l'on a avec le bouton R1. Qui va nous être utile. Alors par contre c'est pas cool du coup parce que j'ai viré la mamie. C'est pas ce que je voulais faire à la base. Votre réputation est so-so. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de réputation. On va s'arrêter devant elle. Salut. Et on va aller voilà, sous office complexe. Alors, je suffit de suivre la flèche, évidemment. Hein. Alors, vous comprendrez qu'au fur et à mesure, il y aura des raccourcis à prendre si vous voulez vraiment aller vite. Et on voit un petit peu le client en bas à droite. Enfin, en bas à gauche, pardon. On peut voir un petit peu ses réactions en temps réel. Je vais essayer d'appuyer sur la touche R2 parce que tout à l'heure c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà, donc là on est contente, on l'a ramené là où elle voulait.
Si je fais start, regardez, je peux voir la ville. La ville n'est pas super grande au début, on n'a pas beaucoup de quartiers. Mais c'est suffisant en tout cas pour suffisant pour trouver quand même assez de clients. On avait vu en pilote un petit veau, un petit taxi jaune à la Dayard. Alors j'aurais pu m'arrêter là effectivement. Il y a une personne. Et la mamie, tiens. Elle veut plus de nous. Elle veut plus de nous. Depuis qu'on l'a pas amenée où on voulait, où elle voulait. Ah bah c'est terminé, c'est fermé ici. Alors pour aller en arrière, c'est triangle. Alors elle explique qu'à la station, il y a beaucoup de people, donc beaucoup de personnes. Alors là par exemple, ils sont deux. Donc on va vite. Voilà, si tu peux te mettre devant, parfait. Et là, regardez, on a ramené deux clients d'un coup. Je suis bridé à 119 km/h, je peux pas aller plus vite. J'adore cette musique. Franchement, cette musique, je la trouve trop bien. Tout mignon. C'est pas un jeu pour se prendre la tête vraiment. Voilà, bon, au début c'est facile, donc évidemment, je dis pas pour se prendre la tête, mais après ça deviendra un peu plus difficile. Mais pour le moment, voilà, il suffit simplement de suivre la flèche. Alors on est vraiment lent, hein. 119 km/h, j'ai l'impression de me traîner. Et on va arriver à la station. J'ai pas compris là. Alors par contre, ouais, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Vous avez vu qu'en bas, ils ont réagi, ils avaient pas l'air très contents. Et on va trouver. On va trouver où ils veulent aller. En haut à gauche, on a l'heure évidemment, hein. Bon, on en est dans la journée. Ah oui, il faut que je retrouve cette voiture. Voilà, donc là on a rattrapé une voiture. C'était l'objectif. On va repartir. Hit the target. Alors on a une target à toucher, mais quelle target? Alors attendez. Il y a une target à toucher, mais elle est où? J'ai pas compris. Il y a une cible à toucher. Alors c'est une cible en argent. On va aller ici, en général il y a du monde. Et elle veut aller à la Mansion Sud. Donc on va passer par là. Voilà, on va descendre. Alors je sais pas combien ce jeu était vendu à l'époque, je pense qu'il ne doit pas être vendu très très cher, hein, franchement. C'est pas le genre de jeu AAA. Mais franchement pour... Il y a moyen de s'amuser un petit peu. Bon, c'est un jeu qui est plutôt réservé aux enfants, vous l'aurez compris. Ah, c'est dommage, là il y avait deux personnes qui attendaient un taxi. J'aurais quasiment pu les prendre, mais finalement je l'ai pas fait. Il me reste 20 secondes. Il semblerait que vous soyez un peu plus populaire. Donc là, ils sont contents. Je suis arrivé à temps. Ils ont pas trop perdu de temps. Donc, ça, c'est parfait. On va aller vite essayer de trouver une autre personne. Salut toi! Alors on va s'arrêter. Alors il veut aller sur l'office au nord et j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait après, mais il veut aller à deux endroits. Évidemment, plus la course sera longue, plus ce sera difficile. Je fais n'importe quoi, il faudrait que j'aille là. Et ce genre de musique me fait penser à un autre jeu, mais j'arrive pas à savoir lequel exactement. On va passer par là. Il me reste 31 secondes. Faut quand même que j'aille vite. Aïe. Oh, il s'est pris un petit choc là, il va pas être content. On va quand même le ramener à son premier rendez-vous ici. Là, il demande d'attendre un petit peu. Et maintenant, à la station au nord, c'est parti. Il me reste 15 secondes, j'ai intérêt à aller vite. Bon, logiquement, je devrais avoir assez de temps, mais ça va être un petit peu juste. Non, c'est bon, hein, on y est. Nice, Philippe, il est content. Voilà, good, du coup, j'ai un petit bonus. Et on va aller chercher notre personnage. Il y en a encore une ici. Alors, j'aime bien les personnages, sont ultra, ultra cartoon, ultra kawaii. Pas enfin, kawaii. Bon, j'exagère un peu. Mais ils sont plutôt sympathiques. On va aller ici. Attention. Alors il y a une petite technique parce que la voiture, le taxi a tendance à pas spécialement bien tourner. C'est vraiment de relâcher l'accélérateur et de tourner d'un coup. Et après,
Et après, la voiture s'inscrit vraiment mieux dans les virages. N'essayez pas de tourner en restant à fond, même si la voiture paraît ultra maniable. Ça marchera pas. Et là, il me reste 93 secondes pour y aller, donc je pense que ça devrait le faire. Alors, il doit nous rester, je pense, 2 minutes à peu près pour pouvoir finir notre début de journée. Alors, il explique que le district pour le shopping, il y a pas mal de monde. Alors, on peut prendre des raccourcis, hein. Il y a quelques petits passages, des fois, pas forcément cachés, mais on a une voiture de sport sur le côté, où on peut gagner un peu de temps. Attention! Hey! Juste devant moi! Et... Bon, moi, j'ai eu un petit bonus, et je suis tombé à 10 000! 10 000 crédits, je pense. Pas mal, 10 000 crédits. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous avez vu du monde sur le côté? Moi, j'en ai pas vu. Ah, il y a une personne là. Salut! Ah, je veux pas s'arrêter. Il le retourne. Ah, il y a quelqu'un là. Il y a une fille. Ah, par contre, c'est vrai que si je l'écrase. Quand tu veux. Alors, au public hall, please. Alors, évidemment, au début, vous n'allez pas connaître la ville. Il va falloir un peu à pas apprendre les chemins pour y aller. Bon, la ville n'est pas spécialement compliquée au départ. Mais quand il va falloir vraiment, vraiment aller vite, ça va être un peu plus compliqué. Il faut vraiment retenir les coins. Perdre le moins de temps possible. Regardez comment je me traîne à 119 km/h. Les voitures sur les côtés vont encore plus lentement. Alors, je vais quand même vous rassurer. Allez, je vais vous rassurer. Ah, mais je crois qu'il faut que je rentre à droite dans le. Ah, je suis complètement loupé. Attendez. Ouais, il faut vraiment que j'aille là-dedans. Je fais le tour depuis tout à l'heure et je perds du temps. Regardez là par exemple, faut vraiment rentrer. C'est pas pratique, hein. C'est vraiment le pire. Elle dit qu'on conduit très vite. Mais franchement, je trouve pas spécialement. Et normalement, voilà, quand la journée va se terminer, et bien en fait, la dernière course qu'on aura enregistrée, on pourra aller jusqu'au bout, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas un time out. Mais il faut réussir à en avoir une juste avant le timer, la fin du timer. Il y a du monde là. Elle veut aller au complexe, non? Alors, ce que je voudrais quand même vous montrer une partie où on peut. Où on améliore un petit peu le véhicule pour vous montrer un petit peu la différence. Bah, il dit qu'il reste 60 minutes avant la fin de mon shift. On va y arriver. 45 secondes, ça devrait être bon. J'aimerais pouvoir récupérer avant les. Parce que 60 minutes, normalement, 60 minutes, c'est une minute en fait dans le jeu. Donc si je peux y arriver à prendre une dernière personne avant la fin. Allez, on va vite, vite essayer de trouver une autre personne. Ah, il y a quelqu'un qui nous attend. Ah, il faut que je trouve un wagon. J'ai 90 secondes pour trouver le wagon, c'est bon, donc ce sera la dernière course logiquement. On va aller plus vite possible. Alors, pour retester le jeu au début un petit peu, c'est la première fois que je vais prendre des courses où je dois rattraper quelqu'un dans une voiture. J'ai eu que des missions classiques. Et là, bah, au moins je peux vous montrer un petit deux missions un petit peu différent, même si le but est quand même d'aller un point A, un point B. Hein. Alors c'est typiquement le genre de jeu où vous avez vite fait le tour, hein. Une fois que vous avez compris, ça sera toujours plus ou moins pareil. Ah, par contre j'aurais pas dû passer par là. Il y a des gens qui traversent la rue aussi. Je pense que la musique vous allez l'avoir dans la tête très rapidement. La prochaine fois je vous rappellerai encore, bah c'est parfait écoute. Donc là il me reste 30 secondes pour trouver quelqu'un. On va regarder deux côtés de la route. Donc elle marche donc elle n'a pas envie. Alors il y a des endroits où il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein. Il y a des endroits un peu vides. Ah 30 secondes ça va être compliqué. On va essayer de prendre cette personne. Et elle va à trois endroits différents. Ça va être compliqué. Voilà on va y aller.
Y'a rien à faire, hein. Cette musique fait penser à un autre jeu, mais j'arrive pas à trouver lequel. C'est un style de musique assez particulier, hein. Faut se le dire quand même. C'est pas le meilleur style du monde, mais. Ah, on y arrive, on arrive, on arrive. On va faire le premier. Alors, des fois, on croit qu'on va revenir à d'autres personnes, mais finalement, elle revient toute seule, y'a personne. Allez, au public maintenant. Enfin, elle donne un ordre, mais finalement, je fais un peu ce que je veux. Donc là, il est en train de me dire que c'est mon dernier client. Donc on va essayer de le servir convenablement. Et vous voyez, un petit raccourci ici que je n'ai pas pris. À droite, je suis allé un petit peu trop loin. Parce que je sais pas si c'est un raccourci, hein, complètement. Ah, le hall, c'est vraiment horrible. Là, par exemple, elle s'est arrêtée en plein milieu, la voiture, c'est génial. Du coup, quand je vais vouloir passer, elle va être gênée. Voilà, et normalement, c'est terminé, hein. J'ai terminé ma journée. Voilà, c'est fini. Alors, j'apprécie vos efforts. Premièrement, vous devez mémoriser la ville, enfin vraiment bien mémoriser la ville. Regardez sur la carte et prenez, faites attention, en tout cas, forcez-vous à prendre à faire attention à la localisation de chaque bâtiment. Donc là on a gagné par exemple 19 000 yens, le but c'est d'arriver à 1 million, hein, donc on en est encore un peu loin. Et du coup on va passer à la deuxième partie, deuxième journée. Allez, journée numéro 2. Alors la journée numéro 2, bon, on va essayer de faire mieux que la première. C'est pas forcément, au début le jeu est assez facile, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas, il va pas y avoir de difficultés notoires pour réussir à passer les premières parties. Enfin je dis ça mais j'aimerais quand même récupérer des clients, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un est intéressé par un taxi dans la région? Parce que là je vois personne. Et en plus je suis tombé dans un cul-de-sac, c'est magnifique. Alors je vous ai pas trop parlé du reste, mais je crois qu'on a pas de vue différente. Là je peux activer mon petit truc rouge. Mais si je fais select il se passe rien, si je fais triangle il se passe rien, carré je freine, rond je fais un petit dérapage. Mais il n'y a pas de dégâts en tant que tel. Par contre, j'ai rien trouvé quelqu'un. C'est possible ça ou pas? Est-ce que c'est possible? En plus, je me prends tout le monde, c'est magnifique. Ah, c'est la loose là. Personne qui veut. Un taxi? Je crois que je suis passé à côté d'une personne. Non, il en veut pas. C'est la dèche aujourd'hui là, on manque de clients. Alors, il me dit que le taxi est apprécié par tout le monde. Et personne ne me demande de prendre un taxi pour autant, hein. Y a personne là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bien la première fois où j'ai aussi peu de personnes. Je crois qu'il y avait une personne à droite. Ah, il y en a une en face. Là. Ici. Allez, c'est parti. Donc là, il veut aller à deux endroits. Il veut aller au public North Public Hall et à l'école, j'ai l'impression. Alors des fois vous allez quelque part, pensez prendre un raccourci, en fait pas du tout, des fois vous pouvez prendre des grands axes, c'est le plus simple. J'aime bien les personnages quand, qui rentrent dans notre bagnole, ils ont tous une tête bizarre. Là par exemple je peux aller ici, attention je tourne, hop là. C'est assez serré hein, mine de rien. Alors j'ai pas amélioré mon taxi pour le moment, mais ça devrait pas tarder, par contre faut absolument que j'arrive à passer ici, voilà nickel. Pour longtemps. Alors heureusement pour nous, qu'ils prennent longtemps ou pas, ça change rien parce que finalement le compteur reste à zéro. Mais bon, on va quand même aller vite. Ah, je suis un petit peu bloqué. Bon, il fallait juste s'arrêter là, c'était pas très loin. Ok, donc il est content. Alors je vous ai pas forcément parlé de tous les sketchs sur l'écran, hein, je pense que vous aurez compris. Et on a le quota donc en haut à droite et ce que j'ai reçu récupérer. Donc pour l'instant bah, je suis à 1700 sur 4000. La musique s'est emballée, j'ai pas eu le temps de comprendre là. La musique qui met un peu la pression. Il va falloir que je fasse le tour là malheureusement. Oh, regardez là je vais me faire encore. Je vais me faire toucher. Ouais, deux voitures. Allez, on va essayer de tourner. Il y a un petit peu de clipping, enfin c'est assez léger.
Un peu bizarre sur Play 2 d'ailleurs, pour un jeu d'ailleurs aussi simple graphiquement. Mais bon, on voit quand même assez loin, on a le temps d'anticiper, puis c'est pas avec la vitesse du taxi qu'on va... On va vraiment voir une... ça va nous poser problème. Ah, Idetardet, ah j'ai compris en fait, c'est moi qui dis n'importe quoi. En fait, Idetardet, ça veut dire que j'ai réussi à faire mon quota de la journée. Alors si je veux, je peux faire retourner à l'office. C'est-à-dire que je peux directement mettre un terme à la journée. C'est pas ce qu'on va faire, hein. On va quand même essayer de faire 2-3 clients. Et je crois qu'on va pouvoir améliorer notre taxi à partir de... après cette journée-là. Youngboy, il disait... Alors, il y a un jeune homme qui est derrière une voiture de sport. Essaye de le récupérer, de le retrouver. Ils sont bizarres les gens dans cette ville quand même. Hein. Le mec, il voit quelqu'un dans un... dans une voiture, il faut absolument que le taxi... le taxi... Vous êtes à retrouver une bagnole, on dirait limite qu'on fait le rôle de la police quoi. Alors j'ai vérifié mais je crois pas qu'il y ait différence de points marqués si par exemple dans le cercle vert de pour déposer la personne, on est bien dedans, un peu éloigné, je crois qu'il n'y a pas trop de différence. Alors je vois rien pour le moment. On va aller un petit peu vers la station. Station, il y a du monde en général. Voilà, bah c'est parfait. Allons au public hall. Vous aurez compris aussi qu'on roule à gauche. Hein. Les voitures arrivent par la droite. Bah c'est typiquement comme ça au Japon. Hein. C'est un pays où on roule à l'anglaise. Ah, ils sont vers là. Ah, là il y a un raccourci là, si on passe par là. Allez, on peut y aller. Et bon finalement, je suis pas sûr qu'on ait gagné tant de temps que ça. En plus on a pris une voiture de sport dans la tronche. Voilà, on va arriver dans le hall. Je comprendrai jamais les collisions de ce jeu, regardez. Alors on a, je touche rien, hein, mais la voiture s'arrête quand même. Finalement ils sont quand même contents, ils ont été un petit peu secoués mais ils font appel à moi encore. J'ai envie de dire c'est le principal. Là il y a quelqu'un qui attend. Non, elle attend mais elle ne prendra pas le taxi donc ça ne sert à rien. On va reprendre l'axe principal. Alors qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce jeu alors c'est difficile de reprocher quelque chose à ce jeu, enfin... Puisque son principe en fait est déjà de base limité, puisque c'est simplement que des courses en taxi, donc qu'est-ce que vous allez faire d'autre finalement? Mais n'ayant pas fait le jeu entièrement, je ne sais pas ce qu'il y a débloqué, s'il y a des choses nouvelles à faire au fur et à mesure des émissions, ça se fera après, ça devient très intéressant. Mais on n'aura pas le temps dans cette vidéo de tout. J'aurai pas le temps dans cette vidéo de tout vous montrer. Malheureusement. Ce sera difficile pour moi de juger le jeu entièrement. Mais bah, ce qui va être voilà, c'est un petit peu redondant, c'est assez mou en termes de maniement, c'est un petit peu dommage. Voilà, bon après c'est un jeu qui remplit, comment dire, il fait ce qui était prévu en fait. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Par contre, je trouve rien et ça commence à m'agacer là. En train de faire le tour, j'ai jamais eu aussi peu de chance. Ah, parfait. Elle va aller faire du shopping au l'exhibition hall. Ah pareil aussi au niveau des musiques. Bon, les musiques sont sympas, je l'ai déjà dit. Mais franchement, elles sont très redondantes. Est-ce que je peux récupérer quelqu'un ici? Non, on peut pas. Je voulais voir si on pouvait prendre deux personnes à la fois, mais ça paraît être possible. De toute façon, j'aurais pu quitter la mission, mais comme ça a été expliqué au début du jeu, plus je vais faire du chiffre, plus je peux avoir des bonus après pour mon véhicule, donc c'est... Il vaut mieux faire la journée entièrement. Alors là par contre c'est un peu compliqué, il faut monter par là. Voilà, et on peut s'arrêter devant l'entrée. On fait une petite marche arrière et on repart. Quelqu'un qui attend ici, mais est-ce que je vais pouvoir le récupérer? Non.
Et ça m'énerve parce que c'est des faux positifs quoi. C'est-à-dire c'est des gens, on pense qu'on peut s'arrêter pour les prendre. Lui non plus. Lui on veut pas. Alors il me dit qu'il y a des mondes au Shop District, mais comme je ne sais toujours pas où c'est, enfin je me souviens pas encore de la localisation. Ah c'est un peu inutile sans information. Ah ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux. Encore un sport-car, bah décidément. Je me sens qu'ils cherchent la même personne à chaque fois, tout le monde. En plus, la fille, je crois qu'on l'a rentrée avant. Oui, c'est pareil au niveau des personnages. Pour l'instant, ils sont assez redondants. On a souvent les mêmes types de personnes. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage. On a un énorme camion en plein milieu. Je suis à temps pour mon meeting. Alors, je vois pas le rapport parce que finalement, au départ, on était parti pour rattraper quelqu'un dans une voiture et finalement, on est en avance pour le meeting. Excusez-moi, mais je comprends pas le. Je comprends pas l'allusion là. Et même l'IA se plante, regardez. Les deux. Ah, par contre, il fallait pas aller par là. Même les deux voitures se sont rentrées dedans. Il me reste 60 minutes jusqu'à la fin de mon shift. Est-ce que j'ai le temps de récupérer quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un là. Personne. Ah, en fait, je viens de comprendre. En fait, ils disent qu'ils ont très peu de temps, il va falloir aller vite. Et du coup, c'est là où la musique se met en mode pression. Et d'ailleurs, j'aime bien cette musique. Sympa, plutôt entraînante. C'est limite le genre de musique. C'est plus intéressant pour un jeu de taxi parce que ça met la pression justement et on aime bien qu'il y ait un petit peu de stress. Et là, on a une petite mission. Donc, à falloir aller vite, vite, vite. Allez, fichez, c'est les soldes. Non, j'en sais rien. Rien, j'ai dit ça, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et comme elles ont l'air pressées, j'imagine que si elles sont les premières, elles vont pouvoir bénéficier des 70% de réduction. Ah, vas-y, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Et on devrait y arriver à temps, c'est parfait. Vous l'avez fait! Elles sont contentes, ça c'est bien. Non, et on veut pas. Alors là, je suis à la fin de mon shift, donc il va falloir que je trouve une dernière personne. Et normalement, on devrait s'arrêter là pour la journée. On va passer par là. Un peu dans les angles morts, des fois. Oh, il y a quelqu'un, mais. Oh la mamie, je l'ai écrasé, donc je déconne. On va essayer de passer par là, mais il n'y a personne, hein, vraiment. C'est vide de chez vide. Je pense qu'on peut avoir une dernière personne, mais ça va être compliqué. Normalement, il y a du monde à la gare, on devrait essayer d'en trouver. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un. Ah bah il y a quelqu'un juste devant. T'es sauvé! J'ai pas fini mon shift, en plus il veut aller à l'école. C'est parfait. Ok, on va passer par là. Bon, on va passer par ici, on va gagner un peu de temps. Et voilà, c'est la fin de mon shift. Du coup, on a fait plus que le quota. Vraiment, le quota était à 4000, on a fini à 18 000, je crois. Ah, on peut appeler ça une bonne journée. Cette station est le... La station est au centre de Nijiro City. Il faudrait essayer qu'on trouve des clients à cet endroit. On va essayer d'augmenter le quota du jour. Et cette fois-ci, tu vas avoir un bonus spécial. Alors, il explique que la botte de vitesse a été un petit peu boostée. Car Gears, ouais, on interprète ça comme ça. L'accélération a été améliorée aussi. Donc ça, c'est bien. Et j'ai encore un meilleur. J'ai encore un bonus. Le moteur a été amélioré, le top speed a été augmenté. Donc je pense que pour l'avoir fait une fois avant, j'ai vraiment fait une bonne journée, deux bonnes journées. Parce que normalement, je me souviens, dans la première tentative, il n'avait approuvé que l'accélération. Donc là, comme on a fait vraiment deux bonnes journées, il nous a donné un peu plus de bonus.
Et voilà, comme les quotas augmentent par jour, et ben les bonus aussi vont augmenter de manière proportionnelle. Et le mec il veut à chaque fois de plus en plus d'argent tous les jours. C'est un mec qui adore l'argent, hein. Enfin, franchement. C'est un jeu limite capitaliste tout ça. Allez, c'est parti. On va tester notre taxi amélioré. On a 130 km/h. Ah oui, ça commence à aller un peu plus vite. Ça commence à être plus sympa à conduire. Alors j'ai un quota qui est à 4500, ils ont à peine monté, hein. Vraiment le quota, ils ont été sympas. Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Pour le moment je trouve personne. Allez les clients, je vous laisse rentrer dans mon nouveau taxi boosté, mon taxi tuné. Alors bien sûr, plus le taxi va aller vite, plus on risque de faire d'erreurs, hein, jusque-là. Voilà. Il va aller au shopping ouest. 83 secondes. Bon, pour le moment, ça devrait être. Enfin, vu qu'on a un taxi plus rapide, je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Par contre, j'ai fait n'importe quoi. Je suis au mauvais endroit. Alors, c'est marrant de voir la position de la personne qui bouge en temps réel quand on est sur les. Quand on est sur les. Sur les trottoirs. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Je vais à 139, c'est pas mal. Alors, ce qui va être drôle, c'est que peut-être qu'un jour on ira à 300 km/h. Hein. Ah, par contre, elle a ramené quelqu'un. Ça fait plaisir, on va avoir double. D'ailleurs, j'allais dire double cheese. Double ration, peut-être au niveau de la monnaie, parce qu'on transporte deux personnes. On est quand même toujours lent, hein, mais on accélère un peu mieux, donc déjà, c'est beaucoup plus pratique. Passer par là. Regarde, on est arrivé. Et en une sortie, on s'est fait 2600, ce qui est plutôt pas mal. On va essayer de récupérer un peu de monde. Il n'y a personne dans le hall là à récupérer. Pour une fois que je suis dedans, il n'y a personne, c'est dommage. Une personne, mais je pense qu'elle en veut pas. Alors, est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, hein. Toujours aussi vide. Ah, et personne là. Yeah, bro. Reach your goal. Ah, sans s'arrêter, serait-ce qu'une fois. Ok. C'est pour ça qu'on a été fired tout à l'heure par la mamie, parce qu'on s'est arrêté. Possible, hein. Ah, ça va être compliqué là, parce qu'il faut pas que je me tape. Voilà, il est pas content, il est pas content. Et non, ça va. Pour l'instant, il bouge pas trop, mais. Ah, j'y crois pas. Regardez, quand j'ai tapé. Quand je tape, en fait, je perds de l'argent dans mon sur le compteur. Allez, North Mansion. Je sais pas pourquoi je suis passé par là, mais bon, peut-être que c'était le bon endroit finalement. Pas que je suis au mauvais endroit à chaque fois. Donc on a réussi. Bon, on a un bonus cool, c'est pas mal. On a le quota, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir du coup à continuer. Hein. De toute façon, je pense qu'on s'arrêtera, là après la troisième partie. Parce que je sais pas trop quoi vous montrer plus, hein, concrètement. Le jeu on a un peu fait le tour déjà. Bah, peut-être que non, hein, comme je dis, peut-être qu'il va y avoir des choses à découvrir au fur et à mesure. Mais à l'heure où je vous parle pour le moment, bah, c'est un peu la même chose. On va essayer d'aller le plus vite possible. Disons que si vous avez envie de commencer par soft au niveau des jeux de taxi,
C'est un jeu que je pourrais vous conseiller. C'est limite un jeu que je pourrais conseiller bah, aux plus jeunes en fait, ceux qui ont envie d'un jeu sympa de taxi, pas trop embêtant. Alors le problème c'est que le jeu est en anglais. Donc bah, qui dit jeu en anglais dit que les enfants vont pas forcément comprendre. Mais bon, le principe est pas non plus exceptionnellement difficile à expliquer. See you. Bon, j'ai pas été spécialement bon hein, sur cette course-là. Ah, à chaque fois je me fais avoir par cet endroit, c'est horrible. Il y a quelqu'un qui attend. Parfait. Ah, attendez, attendez. Bonjour vous deux. Allez, 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 tu peux, tu peux, tu peux. Parfait. Alors, 58 secondes. Et évidemment, il a tourné à un moment où il fallait pas. On remarque que le taxi va un petit peu plus vite et du coup je fais plus d'erreurs. Bon, il fallait simplement s'arrêter ici. Alors, est-ce qu'on a du monde à aller chercher ici? Je ne pense pas, là non plus. Ici, il n'y en a pas non plus, c'est dommage. On va passer par là. Alors, il y a des zones qui sont plutôt mortes, hein. Il n'y a quasiment jamais personne. Après, ça peut changer en cours de. Wolfen, ils essayent le sport car. Décidément, hein. Ils aiment bien la voiture de sport dans ce jeu. Alors, on a 118 secondes pour le rattraper. N'importe quoi. Je crois même que je suis en contre-sens. On va faire le tour parce que j'ai l'impression de pas du tout être dans le bon, dans la bonne zone. Il va y avoir quand même un bleu là. Alors c'est que la voiture est en mouvement aussi, hein, donc ça aide pas à aller la trouver. Je pense qu'au bout du troisième choc, elle va pas aimer. Hein. Elle va me dire laissez tomber monsieur, je vais prendre un autre taxi. On va quand même essayer de faire un minimum attention. Attention au virage très serré. Allez, 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 on peut la récupérer cette voiture. On n'a plus qu'à 62 secondes. Alors ça va, je le vois. Il est au loin. Qui roule vraiment autour de sport. Donc elle est contente, on a la Russie. Ah, quelqu'un? Non. Même il ne voudra pas. Je vois personne, on va aller à la station. Souvent, pose de récupérer des gens. Ah, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Alors, au salon des expositions de voitures, c'est parti. J'arrive à faire un perfect en tout cas sur au moins une course, même si c'est pas évident. Enfin, c'est marrant parce que c'est à la fois un hall et après c'est à l'exposition, je comprends pas trop. Bon, finalement j'ai pas eu beaucoup plus hein, alors que j'étais quand même allé vite. On a 20 000 sur le target, quota. Alors, aïe aïe aïe, il va falloir que je commence à aller plus vite là. Je crois que j'ai raté une personne d'ailleurs, il y a une personne qui attendait quelque part. Personne attend un taxi, personne.
On va arriver en 5 minutes de la fin de mon shift là, faut que je me bouge. Ah. Allez, 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 allez. Allez. Allez, tu peux monter là, tu peux monter. Oh là 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 là, mais quel abruti. Ah, j'ai perdu au moins. Alors, l'équivalent en jeu, je dis pas 20 minutes. Que j'aurais jamais le temps, hein, normalement. Ouais, le plus vite possible, mais je pense que ça va être compliqué. Ah non, ça va. J'ai vu personne pour le moment, mais on peut vite faire le demi-tour dans la... Mais non, mais... Ah oui, d'accord, c'est une voiture à aller récupérer. Je suis bientôt à la fin de mon shift, j'ai intérêt à faire vite. Oh, il y a une personne en face, il y a une personne en face. Ah, il en voudra pas. Ah, il reste 30 minutes, ça va être compliqué. Allez, 30 minutes, il faut que je fasse une dernière course. Alors le jeu fourmille un peu hein, en termes de pixelisation, enfin anti-aliasing, il n'y en a pas. Hein. Et malheureusement... Ah, je trouverai pas de deuxième course. Il n'y aura personne. Oh, on va arriver à la fin les gens. Ah si, c'est bon, c'est bon. Non? Ouais, c'est bon, on a réussi à faire une dernière course. Juste à 10 minutes avant la fin, c'est parfait. Allez, go go go. Bon, en plus, c'était pas loin, c'est parfait. Regardez tranquillement. Alors, on n'a pas forcément fait une journée spécialement bonne, mais bon. Et en plus, c'est la fin de mon shift, donc la journée est terminée. Et en plus, je bouchonne une voiture, c'est magnifique. Allez, chargeons. Et chargeons son cours aussi, ça c'est plutôt bien. J'apprécie votre effort. Donc le quota d'argent va augmenter de manière graduelle, voilà. Ah, et j'ai débloqué une nouvelle zone. C'est le pic du dragon et la zone de la montagne qui sont maintenant accessibles. Bonus à ce... Ah écoutez, je vous montre un petit peu cette partie là et puis on s'arrêtera là-dessus. J'ai 44 minutes de vidéo, incroyable. J'ai hâte de voir cette zone là d'ailleurs. Hein. Voir ce qu'on peut faire avec cette zone là. On va passer par ici. J'essaie de voir un petit peu la nouvelle zone. Bon, faudrait quand même pour ça que je récupère des gens. Ah, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, vous avez vu que mon taxi n'a pas été amélioré hein, cette fois-ci. Débloqué une nouvelle zone. Par contre, je peux toujours pas aller dans le tunnel, hein, donc c'est à dire que c'est pas par ici qu'il y aura la nouvelle zone. Ah, il y a une personne qui attend. Mais ça sera pas la bonne. Bon, tant pis. On va revenir ici. C'est vrai que je suis un petit peu exprès à chaque fois d'être du mauvais côté de la route. Écoutez, on va regarder la carte. Nijiro. Je sais pas où on pourrait aller en fait, je sais pas du tout. On va passer par là. Pour l'instant, il y a personne. Personne qui veut un taxi. C'est dommage. Je ne sais absolument pas où aller. Il y a un tunnel, mais bon, on peut toujours pas y aller. Le taxi est adoré par tous les gens. Oui, mais moi je veux bien, mais je trouve personne. On peut aller là? Oh, regardez, on peut aller au Dragon Peak directement. Parfait. Ah, regardez, on a découvert une petite zone. Ça, c'est sympa. Alors, on a dit qu'il ressemble un petit peu à des voitures connues, mais... Faut le dire de loin. Aïe. Dire de loin.
Ah, y'a quelqu'un. Allez, c'est parti. Premier client dans la zone du dragon. Ah, par contre, il est bien gentil. Ah, 180 secondes. Je pense que là, on a fait l'erreur de passer par là. C'est pas grave. De toute façon, on est bon, hein. Oh, y a un petit saut. Ah, la route est vraiment étroite. Je dois faire 5000 de quota. Mais je perds tellement de temps. Tellement de temps en passant par là. Je sais même pas si ça va être possible. Oh, oh mon dieu. Attends, attends, faut que j'aille où là? Eh oh, faut que j'aille où là? Mais faut que j'aille où? C'est génial! Je fais quoi là? On fait le tour. Ah ouais, non mais c'est horrible. Faut que j'aille ici en fait. Oh mon dieu, mais c'est immonde. Cette zone est immonde. J'ai la maison du sud maintenant, donc on va ressortir par là. Alors on va repartir. J'ai fait un seul client, enfin j'ai même pas fait la moitié d'un client. Et je pense qu'il va me, m'éjecter très rapidement, hein, si c'est gentil. Bon, en tout cas c'est cool, on a débloqué quelque chose. Déjà, déjà intéressant du coup. On n'est pas bloqué dans cette ville Vitam Eterna. Après voilà, on va enfin arriver au niveau du tunnel. Évidemment le chargement, ça c'est un petit peu dommage par contre, devoir charger à chaque fois la ville entre deux parties, c'est... dans la même partie pardon, c'est un petit peu moins cool. Allez, on va finir ce client là. Et je me suis trompé, je suis allé dans une zone... C'est vrai que je regarde jamais où je vais. Bon, l'avantage c'est que au niveau de la monnaie qu'il va me donner quand même, ça vaut le coup, il gagne quand même 2400. Mais bon, c'est cher. Hein. C'est cher pour y aller. Aïe. Il a pas de content à force, hein. Je suis sûrement tapé dedans 10 fois. On a eu un bonus, on est à 6000 les gens. On a réussi le quota en une fois. Bon bah c'est pas mal. Bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus, vous aurez compris, hein. De toute façon je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. C'était Taxi Driver sur PlayStation 2, un jeu ma foi plutôt sympa, voilà, c'est en plus un... Ça sera pas le jeu de l'année, loin de là, mais en tout cas c'était bien sympa. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.